Sylvie Delavray est avec nous, je vous demanderai de l'applaudir. Ça va, on s'est croisés, oui, à l'apéro. J'ai tout dit, voilà, c'est dit, mais c'est pas grave, on a dit qu'on le dirait pas, c'était notre truc qui s'est fait. C'est trop tard. Bon, c'est trop tard, exactement. On va écouter Benson Boone et Philippine. Et je vous demanderai de l'applaudir, s'il vous plaît. J'ai perdu ton regard de vue, sans toi j'ai peur du noir. Éclaire-moi une dernière fois. Souvent je valse trop vite autour de toi, j'ai peur du vide. Moderne, aux influences folk, pop. Est-ce que ton album qui va sortir serait un petit peu à cette image? Bah ouais, carrément. En fait, toutes mes influences sont internationales à la base. Ok. Et ensuite, j'ai commencé à écouter Alain Souchon. Donc du coup, c'est un peu parti en vrille à ce moment-là. Mais voilà, toutes mes influences sont un peu dans la folk, pop. Et voilà, j'aime beaucoup tous ces artistes qui font de la folk pop à l'ancienne. Et du coup, j'essaie de mettre ça en français de manière un peu moderne. Et très bien. Eh bien, merci pour nous parce qu'on aime beaucoup. Et ce qu'on aime aussi, c'est que tu aimes écrire sur des sujets assez précis. C'est vrai qu'il y aura une chanson, par exemple, sur ton nez. Ouais. Pardon. J'écris une chanson sur mon nez. Comment on fait une chanson sur un nez? C'est super bizarre. Alors, on se réveille pas un matin en disant « j'ai écrit une chanson sur mon nez ». Mais on finit une chanson, on fait « mince, ça parle de mon nez ». Et c'est rigolo. Et du coup, ça fait plaisir de... Pour parler de choses aussi improbables, aussi décomplexées, j'ai envie de parler de mon nez avant que les autres le fassent. Voilà. Et bah t'as rien.